C'est en plein cœur de l'hiver que l'on peut trouver au sol des champignons comme les pésises. Ici, on a probablement une pésise écarlate, Sarcoscypha coccinea, mais en réalité, beaucoup d'autres pésises lui ressemblent et seul un examen microscopique permet de faire la différence entre toutes les espèces. Néanmoins, celles-ci sont comestibles. Dans la littérature, on vous dira qu'on peut les manger crues, saupoudrées de sucre et arrosées d'un peu de kirsch. Cependant, désormais en mycologie, on considère que tous les champignons doivent être consommés après avoir été cuits pour éviter des intoxications, notamment à cause du développement de bactéries sur ceux-ci. Donc on préférera par exemple la jeter dans une soupe, un peu à la manière des champignons noirs chinois. D'ailleurs, il y a des oreilles de Judas un petit peu partout sur les troncs juste à côté, je vais aller voir ça.